Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois? Ben, j'ai fait des recherches, et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi. Non, pas question. On a parlé du cercueil. Point barre. Attends une minute. Si mon émission n'avait pas financé cette expédition, t'as eu ton scoop, chérie. Écoute bien, Drake. T'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard. Sully, on a des ennuis. Magne-toi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Comment nous ont-ils retrouvés ici? Ces types me suivent depuis des semaines, je pensais en être débarrassé. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? C'est une longue histoire, tu sais. Ces types t'aiment pas beaucoup, non? Assez bavardé, faut tirer! Dépêche, Sully! Ils montent à bord! Ah non, je crois pas. Tu vas comprendre ta mère! Ça le fait! Ouais! Sully, tu fais quoi, là? Comme ta douleur! Sur lui! Je vais te faire dormir! Viens, on joue! Ça craint, là. Qu'est-ce que c'est? Allez, Sully! Je crois que je peux dire adieu à ma caution. La cavalerie est arrivée! Oh, Dieu! Oh, non! Ah, zut! On va sauter! Faut qu'on plonge! Ouais! Attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Ok! Allez! C'est bon! Tiens! Ok!
peux pas te laisser seul une minute, mon pote. Hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira. Je reconnais bien là la belle et talentueuse Elena Fischer. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Mm. Oh. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous diriez de partir avant qu'on se fasse à nouveau remarquer? Bon. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil? Une petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, Sully. Il devait être sur un gros coup. Ouais, bon, sans garder ça pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Alors qu'il naviguait dans le Pacifique, Drake prit la flotte espagnole par surprise. Il captura leurs navires, il prit leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et il reporta tout ça dans ce journal. Mais, de retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage de se taire. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Ok, Nate, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok? Ah, c'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Regarde ça. Oh, oh, oh. Hein? Ce foutu Eldorado. Il était sur un gros coup, hein. Il dit autre chose? Oh, alors maintenant ça t'intéresse? Ouais. Eh bien malheureusement non. La dernière page a été arrachée. Je te le dis, Sully. Ça y est. Cette fois, ça y est. Ouais. Seulement, on aurait comme un petit problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Oh. Oh, non, non, la caméra, non, non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, hein, non? Elle est comme neuve, t'inquiète. Sully, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vue. Bien, alors va dehors et dis-lui, on vient juste de trouver la Cité d'Or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Nate, tu me fais confiance? Plus ou moins. Bien, parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous, à moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. T'es un vrai gentleman, Sully. Je sais, c'est nul. Elle s'en remettra. Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que... Que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année. Salut. Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir... Les enfoirés. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Oh! Attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? C'était différent. Mais, ma foi, tout aussi épuisant. Allez, tiens bon, mon vieux. On est presque arrivé. Tu sais, ça me rappelle... Je t'ai déjà raconté... La fois où j'ai vendu une fausse statuette du XVIe siècle à Pablo Escobar. Ah, c'était plutôt culotté. Mais le temps qu'il réalise était... Nate, est-ce que tu m'écoutes? Je bois tes paroles. Mais pourquoi je me fatigue? Tu crois vraiment que Francis Drake est venu jusque-là? On est à des années-lumière de l'Angleterre.
Alors ? Je comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Peut-être que tu sais pas lire ce truc. Fais voir ça. Non, c'est bien ici. Ça y a rien ici, Nathan. C'est encore une impasse. Des calmes, Sully. Relax. Jetons un coup d'œil. Ah, c'est pas vrai. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Voilà, ça c'est mieux. Qu'est-ce que c'est? Un cas, tu crois? Non, c'est plus vieux que ça. Je dirais 2000 ans de plus. T'as trouvé quelque chose? Rien pour l'instant. Sois prudent là-haut. Hé, il a l'air bizarre le sol en bas. Wow. C'est creux. On doit trouver un moyen de casser ça. Bon travail, petit. Ah, ce sont les longues torches ici. Oh, oh, oh! Charmant et accueillant ici, hein? C'est pas vraiment ce que t'avais imaginé, hein? Ouais. Mais il est où, ce trésor? Ah, cet endroit a été pillé il y a des siècles. Ouais, par notre bon vieux pirate. Non, c'était pas Drake. Regarde ça. On dirait que les Espagnols sont arrivés avant lui. Oh. C'est quoi ton problème? Nathan, je cherche pas un vulgaire bout de ferraille. Je suis endetté jusqu'au cou. Je comptais vraiment là-dessus. T'es encore trop flambé à l'image, Paris. C'est vrai. Et puis, faut dire que sur ce coup-là, j'ai mal joué. Tu sais, je t'ai toujours dit de faire attention aux mauvais garçons. Et aux filles aussi. Ouais? C'est toi qui dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette journaliste. J'ai bien vu comment tu la regardais. Elena? Bah, arrête. J'ai plus aucune chance avec elle depuis qu'on l'a abandonnée sur les docks. Tous les coups sont permis en amour, gamin. Ah, et si jamais elle pensait pas comme toi? Eh ben dans ce cas, petit, t'es dans un sacré pétrin. Ces Espagnols ont laissé un sacré bordel derrière eux. Sois prudent, Nate, ça fait une sacrée chute. Sans blague. On doit trouver un moyen de traverser. Oh non! Sois prudent, Light. Ça fait une sacrée chute. Ah, ça va marcher! Ugh!
Ok, laisse-moi faire ça. Je vais la maintenir ouverte. Va voir si tu peux la coincer de l'autre côté. Allez, on y va. Ça devrait tenir. Grouille-les! C'est vraiment pas passé loin. Espérons que cet endroit a une porte de derrière, hein? Tiens, ça me dit quelque chose. Je crois que Drake en parle dans son journal. Ouais, ici. On dirait une sorte de lampe ou de brasero. Regarde si tu peux l'allumer. Alors, on critique mon cigare, mais finalement, on est bien content de le trouver, hein? Yes! Oh, mais... Alors, et maintenant? Ned, avec 30 ans de moins, j'aurais peut-être réussi à faire ça. Mon Dieu, Ned! Je pense qu'il y a une échelle derrière tous ces décombres. Continuons. Non. Tu crois que ça mène où? Attends, je reconnais ces symboles. Il faut respecter l'ordre de ces symboles. Quelque chose.
C'est profond. Hé, hey, fais attention, tu mets... Mon Dieu, Nate! Bon, ça mène quelque part. Ah, me dis pas que tu vas nager là-dedans! J'en ai vu d'autres. Je suis tout trempé. J'y suis. Je suis de l'autre côté. Est-ce que tu peux l'ouvrir ? Bien joué. Je prends celui-là. Bon, ça a l'air de tenir. J'ai réussi! Tout va bien! Ok, je crois qu'on tient le bon bout. Après ça, on a plutôt intérêt. Le temple a dû être construit autour. Autour de quoi ? D'une statue. Une statue en or. Une énorme statue en or. Et regarde ici, ces gens, ils vouent un culte à ce truc. Enfin, si c'est bien eux. Bien sûr. Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça, une idole en or. Mince. T'imagines ce que ça peut valoir à l'heure actuelle ? Regarde ici, des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide ? Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. À moins que... À moins que quoi ? Qu'on suive les traces ? Ça s'arrête là. J'ai l'impression que le mur à l'arrière du temple a été détruit. Ouais, les Espagnols ont dû s'aménager à raccourci pour sortir le trésor. Super. Et maintenant ?
Attends, Sully, t'as entendu? Voilà un truc qu'on voit pas tous les jours. Oh, mon Dieu. Wow. C'est pas croyable. Je pense qu'il a dû rester coincé pendant la crue de la rivière. On va jeter un coup d'œil ? Non, attends. Tout ça me paraît un peu bizarre. Bizarre ? On dirait que t'as jamais vu un sous-marin allemand en pleine jungle avant. Non, je suis sérieux, Nathan. Tu sais quoi, t'as qu'à rester ici. Moi, je vais aller voir, et je t'appelle si je tombe sur des nazis. Ouais, on fait comme ça. Oh, attends. Tu veux garder ça pour moi ? Ok. Je vais employer la manière forte.